La ville de Saint-Omer est assez unique dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Située non loin des côtes du littoral, à égale distance de grandes agglomérations telles que Dunkerque, Calais ou encore Boulogne-sur-Mer. Elle se distingue par son marais qui fait partie intégrante de son environnement. Un marais qui est encore aujourd'hui cultivé et qui entretient de fortes relations avec la ville. Saint-Omer est indissociable de son marais. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'activité maraîchère a grandement diminué depuis quelques décennies. Les mentalités ont donc bien changé, influant ainsi sur les rapports entre la ville et le marais. D'où l'intérêt de montrer, grâce à divers regards et à quelques tranches de vie, le visage actuel de Saint-Omer ainsi que l'héritage de la culture maraîchère dans le faubourg du Haut-Pont. Philippe et Karine Regnault vivent à Saint-Omer depuis quelques années déjà. À la base, ce sont des raisons professionnelles qui ont poussé ce couple, originaire de la région parisienne et du Loiret, à venir s'installer dans l'Audomarois. Et ça fait 12 ans donc on est à Saint-Omer, et ça va faire bientôt 10 ans. 13 ans, oui. Mais ça, dans le faubourg du Haut-Pont, ça fait, oui, ça fait... 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans révolus qu'on est dans le faubourg du Haut-Pont. Mmh. Là, on est arrivé là, mais vraiment sans a priori. Aucun a priori. Et puis la région. Non, et puis Saint-Omer, Saint-Omer, voilà. Saint-Omer, c'est vraiment une ville. On habitait en centre-ville, ouais. Les petites rues piétonnes, les magasins. C'est animé, puis c'est diversifié. Moi, c'est tout de suite ce que j'ai aimé à Saint-Omer. Ce côté un peu. Bon, il y a eu. Voilà, et on trouve des gens qui sont clairement des gens avec des allures de notables installés depuis très longtemps. Il y a des maraîchers, des gens qui ont un lien avec le territoire ici. Il y a des ouvriers, il y a beaucoup de gens qui travaillaient. À l'époque, il y avait énormément de gens qui travaillaient à la cristallerie d'art. Bon, il y en a moins maintenant, mais quand même, donc le monde ouvrier. Des gens en situation sociale un peu plus difficile. Donc, ça, c'était pas un monde uniforme. Tout le monde n'était pas sur le même moule, c'était très diversifié. Et pas très compartimenté. Quand on se promène sur le marché le samedi matin à Saint-Omer, on rencontre tout le monde. On rencontre tout le monde. Et ce sont les dieux du travail qui nous ont exilés à Saint-Omer. On était à Paris, Karine et moi, jusqu'en 98. Et puis en 98, de façon simultanée, moi j'ai eu mon poste à Calais. Et Karine, toi, t'as eu ton... J'ai trouvé, oui, du travail, un contrat sur Lille. Donc on a regardé une carte de France, on s'est dit, bon, Lille-Calais, c'est pas très loin. Oui, au début, on était partis sur l'idée soit de s'installer à Lille, soit de s'installer à Calais. Et ça, c'était avant, effectivement, qu'on prenne une carte, qu'on regarde un peu les horaires de train, etc. Puis on a été assez vite rappelés à l'ordre par la réalité. Et ouais, on avait contacté une amie d'amis qui nous avait dit c'est vrai. C'était pas jouable, et elle nous conseillait déjà Saint-Omer à l'époque. Combien, monsieur? 6 tranches. Un petit peu de sauce, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Sans avoir voulu trop espionner les conversations d'avant, j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien ça. Bon, à la prochaine fois, quand il y aura moins de monde, je viendrai vous faire une bise pour vous féliciter. Je passerai par la porte, ah ouais, là, et puis voilà. Vous êtes plus... Il y a des matins comme ça. On en parlera en plus. Bon, ok. Vous n'avez pas de poche levlèche aujourd'hui? J'ai été voir avec Marie. Et puis des fois, on fait partie du paysage et on s'y sent pas très bien. Mais là, on fait partie du paysage et on s'y sent à l'aise. On s'y sent à l'aise. Et depuis le début, même à l'époque, on connaissait presque personne. On était malgré tout à l'aise parce que l'ambiance générale faisait que bon. Oui, les gens sont. On n'était pas replié sur nous-mêmes. On sentait que ce serait facile au bout d'un certain temps de rencontrer des gens. Par rapport à ça, puis les choses se sont faites effectivement. Merci bien. Donc, sans idéaliser trop, on peut quand même dire que on trouve ici pas mal de choses au niveau humain qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus rare de trouver. Allez, à la prochaine, bon week-end. Ça, c'est clair. Ça fait du bien.
Donc on est à la fois bien pour notre vie de tous les jours, c'est-à-dire les petits agréments de la vie quotidienne, et puis de l'autre côté, partir de chez soi en bateau et revenir en bateau, visiter la cathédrale de Saint-Omer dans ses coins et ses recoins, pour moi c'est pas anodin du tout, c'est des choses exceptionnelles. Au-delà de la ville, de son marché et de sa culture, c'est aussi le marais de Saint-Omer qui a séduit les Regnaux. Un accès direct depuis leur maison nous permet de les suivre en barque. Donc là, on va au Romelard. Le Romelard que tout le monde au niveau de Saint-Omer connaît, ou presque. Hein. C'est une grande étendue d'eau qui sert de réserve. C'est un endroit vraiment agréable où on peut se promener, où on se promène. Il y a des chemins qui sont balisés, qui sont accessibles à tout le monde. Et depuis que j'ai une barque, d'habitude je le fais avec les enfants. Et là aujourd'hui on peut faire avec Karine. Donc on aime bien aller en bateau, là où on va à pied d'habitude. On va au même endroit. Parce qu'au lieu de prendre les chemins de terre, on prend les chemins d'eau. Et ça c'est vraiment agréable. Alors pour aller au Romelard, il faut une demi-heure à peu près depuis la maison. La campagne où je suis né, justement, était en pleine mutation. Le nombre d'agriculteurs fondait comme neige au soleil. Donc c'était tout un monde qui disparaissait. Et qui est disparu aujourd'hui, maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends parler, 30 ans, 35 ans plus tard, du maraîcher de Saint-Omer, qui est le dernier marché cultivé avec de moins en moins de maraîchers, etc. J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps qui me ramène à ma plus jeune enfance, où j'étais dans un monde qui lui aussi était en train de changer de cette façon-là. Alors ça ne veut pas dire que je suis pessimiste pour ici, hein. Peut-être que, et je le souhaite, hein, que le marais de Saint-Omer va moins changer, va moins perdre de son attrait, de sa spécificité, va moins mourir finalement que le monde dans lequel dans le même. On espère qu'on a une époque où les gens ont pris conscience qu'il fallait préserver ça, alors qu'il y a 30 ans, peut-être dans les campagnes, on avait moins l'esprit de préserver le... On ne s'est pas rendu compte quand on est arrivé que c'était un marais en perte de vitesse. Et ce qui nous a frappé, c'est le contraire, c'est le côté actif du marais. Ouais. Et c'est après qu'on a su par rapport à avant, il n'y a presque plus rien, etc. Ouais. Ben, on a visité une fois le marais Poitevin. Oui. Bon, il n'y a pas photo. Pour moi, le marais de Saint-Omer était mille fois plus intéressant que le marais Poitevin. Parce que, justement, il y avait... C'est beaucoup plus petit, je pense, déjà. Oui, il y avait la surface, il y avait l'étendue ici, et puis il y avait ce mélange, la coexistence entre le côté nature, le côté sauvage, les réserves, et puis l'agriculture maraîchère. Hein. Dans le train, quand je reviens du boulot le soir, dans le train, je vois dans les parcelles de chou-fleur, les gens, en ce moment, c'est l'époque... qui récolte des choux-fleurs, j'en vois le matin quand je pars, j'en vois le soir quand je rentre. Et apparemment, le matin, ils étaient là déjà depuis un moment, et le soir, quand je les vois, ils vont rester encore un moment. Donc, on se dit, on prend conscience quand même. Ouais, que, bon, c'est un mode de vie. Moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire, c'est profiter du marais, soit tôt le matin, au lever du jour, soit tard le soir, au coucher du soleil. Le matin, et quand il fait beau, tu peux avoir de la brume qui se lève comme ça. Le soir, t'as quand même c'est sûrement là que tu as les silences les plus nets. Je pense que le chant des oiseaux qui commence à diminuer. Le contact avec l'eau est encore plus fort. Bon, c'est peut-être un peu personnel ce que je veux dire, mais moi, si je devais avoir mis sur le papier un petit peu. Les différentes choses que j'aimerais rencontrer dans mon décor quotidien, dans un endroit où je souhaiterais m'installer quand je suis petit, en pensant à où je voudrais être quand je serai grand, etc. Je dois avouer qu'ici, je rencontre pas mal d'éléments qui sont des éléments que, a priori, j'aurais bien aimé pouvoir trouver dans ma vie de tous les jours. Hein. Même décor, mais une autre famille cette fois. Puisque nous nous rendons désormais, toujours en barre bien entendu, chez les Barrois, dans l'impasse du Farc au cœur du faubourg du Haut-Pont. Sur place,
nous trouvons une famille tout aussi amoureuse de l'histoire et de la culture du Marais Audomarron, dont elle souhaite entretenir la mémoire. Alors moi, c'est Anne-Sophie, j'ai 32 ans. Je suis infirmière à la clinique de Saint-Omer. Moi, c'est Marc Barois, moi je vais avoir 35 ans là. Moi, je suis coordinateur au centre social d'Arc. C'est une maison qui date des années 1900, donc il y a mon arrière-grand-père, ma grand-mère, ma mère est née dans cette maison. Nous, on est arrivés après dans la maison, puis il y a les enfants. C'est la cinquième génération de la maison en fait. Suite au décès de ma grand-mère, on s'est dit cette maison, on aimerait bien que ça reste dans la famille. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Ouais, voilà, c'est une maison. On l'aperçoit comme ça, quand on rentre dedans, on sent qu'elle est habitée. On sent qu'il y a une histoire, on se sent bien, on se sent apaisé. Plutôt que de faire table rase du passé, Marc et Anne-Sophie ont pris le parti de conserver l'authenticité de cette maison. Pari d'autant plus risqué qu'ils réalisent la quasi-totalité des aménagements. La preuve avec cette glace dont Anne-Sophie rénove le cadre qui date de 1914. C'est le symbole frappant d'une volonté évidente pour eux de conserver l'âme de la maison. Mais c'est pas évident de trouver dans le commerce vraiment la teinte. Là c'était nickel, mais là il fait une couche. Moi je me dis la maison c'est ma maison, mais c'est la maison encore de ma maman. Il y a des choses, par exemple tout ce qui est dans la grange, tout ça, c'est les outils, c'est les choses de mes grands-parents, quoi. C'est pas moi, c'est leur mémoire. C'est aussi la maison de famille, quoi. On garde des choses de la maison, mais on fait des trucs comme on a envie aussi, pour être bien, quoi. La spécificité de la grange, c'est qu'elle a été construite avant la maison. Il y a une inscription dans la grange. Elle doit être de 1894-95 dans ces eaux-là. Bon, c'est une construction typique du Marais. Hein. Si on se balade dans le Marais, on va en voir le même type de construction. Hein. Peut-être plus petite, moins haute, etc. Donc les deux murs sont en briques. Donc avec une charpente en or, hein, un bois très très dur. Donc chevillé à l'ancienne, hein, donc avec des grosses chevilles en bois. Des pannes flamandes. Hein, les tuiles qu'on trouve dans les formes. Et aussi, sur les côtés, c'est un clin à claire-voie. Donc, pour laisser passer de l'air. La grange, j'ai vraiment pensé comme outil de travail, quoi. Et elle est encore en l'état. Nous aussi, la préserver un peu. Donc, tous les ans, on regarde un petit peu avant l'hiver, ce qui a encore à mettre à bouger un peu de tuiles. Mais bon, l'accès n'est pas forcément évident, parce que d'un côté, il y a l'eau. On essaye de faire au mieux, quoi, pour la préserver. Quoi. C'est vrai que dans la grange, il y a des héritages du passé, quoi, donc des objets qui ont servi à travailler dans les terres du Marais, etc. Donc c'est vrai que comme ces objets en bois, au lieu de les scier, de les mettre dans son poêle à bois, autant leur donner une deuxième jeunesse. Et puis, si on les voit dans un musée, on sera d'autant plus content. Puis c'est les souvenirs de tes grands-parents. Ouais. Ouais. Donc aussi pour dire, on fait un don, pour patrimoine. Pour souvenir, quoi. Et puis ouais, voilà, quoi. Y a des choses plus ou moins conservées, quoi. Mais ce qui est bien conservé, si ça peut expliquer ce qui s'est passé avant. Puis nous, on va pas l'utiliser, quoi. Je veux dire,
une drone pour pousser un baka, on n'a pas de baka. Autant le donner. Et puis, quand les gens viendront visiter la maison du marais, bah tiens, une drone, c'est quoi? Il y en a une en vrai. En plus, elle est encore en plutôt bon état. Donc, voilà, c'est aussi notre démarche, quoi. Autant donner pour perpétuer cette mémoire du marais. On fait la même chose dans notre maison. On garde l'aspect. On garde l'architecture, mais on fait un peu. Enfin, on essaye de. On garde l'ancien, tout on en faisant de... avec les matériaux actuels, quoi. Ouais. C'est vrai que, on veut pas casser un plafond staffé pour mettre un nouveau plafond avec des spots, non, on le garde parce que c'est une valeur. Il y avait une vieille cheminée ici, avec des biches qui étaient peintes sur le mur, un convecteur au gaz. Et de part et d'autre, d'ici, il y avait des placards, on les a gardés. Volontairement, on a gardé les façades des placards avec les portes, qu'on a décapées, etc., pour garder quelque chose de la maison. C'est vrai, par la maison, c'est toujours encore un souvenir, il y a un petit cheval en... Le petit cheval, on met dans la chambre des enfants. Ça doit être ma mère. C'est un cheval en bois qui a plus de 60 ans. On a retrouvé ça dans la maison, on a dit, c'est sympa. Donc, un souvenir. C'est une maison, je veux dire, quand il fait beau, c'est l'été, on a l'impression d'être en vacances. Quoi. Parce que on est dehors, on est dans le jardin, on est bien. Puis aussi, une fois, on discutait avec ta meilleure amie. Ils habitent, eux, c'est des Lillois, ils habitent en plein centre de Lille. Et une fois, il nous disait, vous, on ouvre votre porte de devant, on est à la ville. On ouvre la porte de derrière pour aller dans le jardin, on est à la campagne. On apprend aussi aux enfants, ils viennent dans le jardin, ils viennent arroser, ils viennent planter des choses pas trop fragiles et puis voir aussi ce qu'on y met. Puis la récolter aussi, puis après on l'utilise pour préparer les repas. Donc la carotte ici, voilà, c'est de la carotte, la semence de tilk ici. Donc on va dire produit vraiment local. Dans cette partie qui est juste derrière nous, elle est pour l'instant elle est pas encore cultivée, mais on va y mettre du poireau pour cet hiver. Généralement, on garde du poireau qui vient du marais, quoi. Le poireau le blond. Ouais, le poireau le blond. Donc, ouais. Poireau qui est du cru. Mais on ne met pas de chou-fleur. Non. Les chou-fleurs, on les a derrière la grange. On cultiver du chou-fleur, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, ouais. Donc, ouais. Maman, elle en a dans son jardin, mais elle dit. C'est parce qu'ils ont. Il faut s'y connaître quand même. Quoi. On n'est pas des super jardiniers pour. Bon, si on a besoin de chou-fleur, on va aller chercher chez les producteurs locaux, voilà. Les voisins, comme ça. Ouais. Donc c'est toujours sympathique aussi on va dire de faire marcher le commerce local. Quoi, mais, non, ici, c'est vraiment des choses basiques. Ouais. Si on est dans la partie des serres. On a récupéré ça dans la grange, justement. Bon, il y avait des anciens cadres en bois comme ceci, qui sont juste là, mais avec le temps, ils se sont pas mal usés, donc on les a démontés. Il y a toutes ces pièces métalliques qui servaient justement à venir glisser des cadres comme ceci, comme celui qu'on voit là. On venait les glisser pour mettre ensuite des châssis en verre pour justement, préparer leur... Leur plan de chou-fleur, au niveau du printemps, quand ça commençait à se réchauffer un peu, c'était fait ici, quoi. Maintenant, c'est vrai que les maraîchers, eux, commandent leurs plans, ils font plus leurs plans eux-mêmes, quoi. Mais avant, c'était comme ça, tout était fait aussi sur place. Bon, c'est vrai, comme Marie-Sophie disait, c'est une maison qui est de type maraîchère, donc
forcément, c'est un héritage du, on va dire, du, de l'activité. Ouais, ta mère qui expliquait pour aller amener les choux-fleurs à la gare de Saint-Omer, donc il passait par le Porsche avec un cheval, et on a une écurie. On essaie de garder tout ça aussi, on va dire, ce patrimoine, on essaye de le préserver. Dans notre potager, avant c'était pour mettre des couches à chicons pour les forcer. C'est vrai que bon, faut voir ces photos pour imaginer comment c'était auparavant, quand c'était encore une maison qui était leur lieu de travail. C'était un lieu d'habitation, mais aussi leur lieu de travail. Donc maintenant c'est une maison, mais c'est qu'habitation. C'est les ports du marais, hein. C'est vrai qu'on prend le bateau, hop, on peut aller dans tout le marais au Domarois. La maison d'Anne-Sophie et de Marc se situe dans une zone agricole encore active. En effet, malgré l'essoufflement des exploitations maraîchères, certains produits du marais demeurent une source de revenus et de fierté pour les exploitants. Leur produit phare, le chou-fleur. Chaque année, ce ne sont pas moins de 5 millions de chou-fleurs qui proviennent de cette zone. Alors, afin de promouvoir cette culture considérable, et surtout afin de mettre en avant le patrimoine et la richesse du marais audomarois, s'est créée la confrérie du chou-fleur que préside Roger Vinoc, ancien maraîcher aujourd'hui à la retraite. Chaque année, la confrérie se déplace à travers la France et la Belgique pour partager sa passion. Depuis les premiers chou-fleurs ont été plantés en 1751. Alors, vous voyez, ça remonte très loin. Mais ça s'est développé surtout après qu'il y a eu la ligne de chemin de fer pour ravitailler Paris. Et le chou-fleur de Saint-Omer a été très très connu à Paris. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Le patron, il n'est pas là? Non. Ah, c'est vous les patrons alors? Ouais. Ah bah c'est parfait. Tout seul. Il n'y en a pas beaucoup à couvrir là. Non. Non. Ici c'est déjà le démarrage de la récolte. On passe recouvrir le chou-fleur. Dès qu'il y a un petit chou-fleur, on le couvre pour qu'il reste bien blanc. Autrement, si le soleil, lui, il vient jaune et invendable. Alors, vous voyez comme ici, il y a un petit chou-fleur tout à fait au fond. Et pour le protéger, on casse les feuilles. Voilà. Et dans deux ou trois jours, on repasse voir s'il est bon à couper ou pas. Alors c'est la coupe du chou-fleur, là c'est le dernier stade de la récolte. Alors là c'est une récolteuse de chou-fleur. Alors vous voyez, la coupe se fait toujours à la main, forcément, et heureusement. Alors là ils ont commencé ce matin à 5h. Et puis ils vont attraper, ils vont vite attraper 11h, 11h30. Alors vous voyez la fatigue quand même de 5h du matin à 11h du matin. Et parfois plus tard. Hein? Oui, quelquefois, lorsqu'ils sont une récolte fort importante, ils sont obligés de retourner l'après-midi. Le conditionnement se fait dans les remorques. Alors, c'est un système qui existe depuis 7-8 ans maintenant, peut-être, et qui facilite le travail et surtout la fatigue. Autrefois, c'était coupé comme ceci, mis en plateau directement sur la parcelle, repris pour mettre soit en remorque ou bien en bateau dans le temps passé. Donc, c'est une amélioration énorme. Alors, c'est mis sur palette, forcément. Ensuite, après que la parcelle est terminée, la coupe est terminée, direction le marché au cadran, qui sera déchargé. Et vendu, c'est peut-être vendu déjà. Il y en a une partie. Il y a une partie de vendu. Oui, déjà vendu. Ouais. Parce qu'il y a un marché en pré-vente, c'est-à-dire ça t'est vendu hier et ils fournissent aujourd'hui. Et le reste est vendu normalement. Chaque année, au début de la saison estivale, les confrères tiennent une place importante sur le marché des terroirs. Le marché des terroirs se déroule au jardin public de Saint-Omer. Leur but, représenter la production locale à travers plusieurs produits, dont le chou-fleur, bien évidemment.
Vous pouvez être très très bien. Oui, on peut mettre un blanc là-bas. Je vais y donner. Roger, je peux y donner un chauffeur? Ok, demandez. Ah ouais, ouais, bah ouais. Demandez comme ça, t'as donné deux. Quand deux fois, je vais. Vous n'avez pas d'idée préconçue sur la valeur des choux là? Non. Chauffeur. Bon, c'est de la perte du noir. Oui. Oh, oui, c'est de la qualité. Hein. La tenue d'été, c'est une cape, vous voyez, plus légère que la tenue d'hiver. Et voilà, nous sommes prêts. Le chapeau. Et puis vous avez le chapeau. Le chapeau qui représente vraiment le chou-fleur de Saint-Omer. Le médaillon qui représente le fameux Bakov, chargé de plateaux de chou-fleur, avec les ermes de la ville de Saint-Omer. Et le chou-fleur. Et c'est un très bon médaillon qui pèse assez lourd. Hein. Les jambes, comme ça, on a tout. Alors, si jamais il y a des plateaux de chou-fleur retenus, ben, j'ai une note ici. Les premières piquages, c'est courant février. Cette année, c'était courant février. Donc vous calculez deux mois et demi pour les premiers. Donc jusqu'au 14 juillet, on peut repiquer pour avoir un deuxième. Mais dans des bonnes terres. Hein. Parce que c'est pas partout. Hein. Donc la terre du marais permet ça dans certains. Il est très beau. Nous retrouvons Roger Vinoc au sein de la coopérative maraîchère. Cette dernière, nommée Cipema, tient une place importante dans la confrérie du chou-fleur. En effet, elle se consacre avant tout à l'activité maraîchère. C'est ainsi qu'elle se fait connaître, grâce à la qualité de ses produits. Le marais est en effet le lieu idéal pour la culture du chou-fleur. Il en fait ainsi un produit réputé du terroir audomarois. Ici, c'est le lieu même de la profession maraîchère. La confrérie travaille pour les producteurs, pour la CPMA, donc, et c'est notre lieu de rencontre. Ce sont les grands frigos pour stocker la marchandise qui attendent le négociant pour embarquer pour l'expédition à travers toute la France. Alors vous voyez également ici, c'est le lieu où arrivent les plants de chou-fleur. Ce sont des plants qui proviennent de la Hollande. Et toutes les semaines, il y a des livraisons. Et chaque producteur a la commande qui arrive selon son planning. Et c'est ici même que la confrérie se ravitaille pour la marchandise lorsqu'elle va faire des salons de terroir ou autre. La coopérative englobe la quasi-totalité de la production du marais. Bien entendu, c'est le chou-fleur qui est mis en avant. Il est le produit le plus cultivé par les exploitants. Mais cette coopérative, c'est aussi un lieu de vente. Un lieu où les producteurs viennent déposer la marchandise afin qu'elle soit vendue. Roger Vinoc est un maraîcher à la retraite qui n'a rien perdu de sa passion pour les produits du terroir. L'environnement et le mode de production du chou-fleur, ses particularités, ses spécificités, autant de domaines qui n'ont plus aucun secret pour lui, ce qui en fait un élément central de la confrérie. Il faut des promenades comme ça. Ah ouais. Oh bah merci. Bonne journée. Bonne journée. Hein. Quand vous voulez. Hein. Alors qui serait ça encore? Moi. À mélanger du potage avec le champagne, ça vous fait rien? Je ne vais pas du tout. Vous ne voulez pas. Une nouvelle recette de
Le chou-fleur permet de nombreuses variations culinaires. C'est pourquoi la confrérie n'hésite pas à proposer, lors de ses ventes et lors d'événements divers, des conseils et des suggestions de recettes. C'est un peu comme du taboulé. Oui. Ah bon ? Ah, je veux bien croire ça. Donc j'ai dit, je vais réessayer, oui. Ben oui. T'es jalouse pourquoi ? On a bien mangé. Pourquoi ? Ah, c'est bon. Allez, avec nous. Voilà, donc on va mettre trois plateaux qui sont retenus pour ce soir. Quittons maintenant le chou-fleur, mais restons dans le festif. Chaque année, à la fin du mois de juillet, le GLHP organise depuis près de 60 ans un cortège nautique qui se déroule sur les rives de la Ha, dans le faubourg du Haut-Pont. Véritable vitrine de la culture du marais, ce cortège rassemble à chaque fois des milliers de visiteurs. Préparer un char, c'est un travail de longue haleine, auquel participent de nombreux jeunes qui permettent ainsi de faire perdurer la tradition. T'as mis bien ton pouce en dessous ? Ouais. Ces jeunes appartiennent à l'association des faubourgs et marais au Domarois. Ici, Louise apprend le délicat maniement du papier crépon qui formera les milliers de fleurs collées sur la structure de son char. Cette année, c'est l'ancien café du Marais qui sera représenté, le fameux Moulin Rouge, que tous les habitants du faubourg du Haut-Pont connaissent. Tu passes avec ton doigt là. Lâche cette main là, enlève celle-là. Tu mets en forme de ce côté-là. Là, comme ça. Voilà, ça tape là. Alors le Moulin Rouge, c'était en fait un café qui est situé sur la rivière du Vieux. Et le café maintenant il est fermé. C'est plutôt un symbole que tout le monde connaît. Quoi. Quand on passe dans le marais, le Moulin Rouge, bah, c'est un lieu dit. Comment je continue sur le côté ? Ça fait plusieurs années que je le fais et puis j'aime bien. Maintenant je m'ennuie, alors autant faire un char et le jour du cortège faire la fête dessus. Au moins c'est un but pour les vacances quoi. On va dire. Puis quand les gens ils nous disent qu'il est beau, bah, on est fiers. C'est gratifiant en fait. Puis aussi. C'est une occasion de se rassembler avec tout le monde pour faire quelque chose. En même temps, on fait les fleurs, on parle, enfin, c'est assez agréable. Quoi. De leur côté, Rémi, Vincent et Mathieu travaillent sur la structure en bois du Moulin Rouge. Ce moulin occupera l'avant du char. Une fois le cortège terminé, il remplacera le moulin en ruine qui se situe dans le marais. On essaie de trouver en fait la forme de la tête. Puisque elle n'existait plus du tout, donc on essaye de trouver à peu près ce que ça donnait. Mais on a trouvé un petit bout avec un clou qui tenait à peu près droit sur le restant du moulin, donc on suppose que c'est 40. J'ai essayé de trouver une courbe en fait, qui correspondrait à peu près visuellement et esthétiquement à la photo. Le but c'est vraiment de le faire comme il était à l'origine. Il avait été modifié, enfin il a été modifié plusieurs fois. Au niveau de la tête, elle avait cassé, donc ils ont baissé les ailes, donc en le mettant sur le fût puis en mettant juste un tout petit toit. Après les ailes ils ont cassé, d'ailleurs on a un exemplaire. On a eu des ailes qui sont comme ça. On voit bien. Le moulin entier est comme ça en fait, totalement pourri. Et nous on va refaire les premières ailes, donc ça veut dire que c'est une pièce de bois complète qui est travaillée avec un rabot pour le faire tourner en fait. Donc notre moulin est censé tourner. Plus en dessous, légèrement. Je suis pas étonné, je suis pas surpris.
Le cortège nautique, ce sont aussi des familles, comme les Flandrins, qui cette année mettent en place leur 20e char. Cette fois, direction Londres pour les JO 2012. Dans cette famille, Benoît et Arnaud perpétuent la tradition depuis leur enfance. Ça, on va l'attraper du journal. On va le mettre du journal. Ça, c'est le dessin initial qu'on avait fait avec mon frère. L'idée première, c'est ça. Et on va être assez proche. Donc là, le bus avec le capot, c'est ça qu'on essaye de un peu reproduire. La rose anglaise, parce qu'on est fada de rugby, donc un clin d'œil aussi à l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Il y aura le lion de la famille Windsor, des Britanniques. Ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais à certaines personnes. Et nous, on aime bien voir les gens, quand le regard y pété, ou bien les gens... Ah, t'as vu là-bas, bah, là, on est vraiment satisfait. L'importance de tapisser, ça permet de pouvoir coller des fleurs et de se permettre de créer des trous de fleurs et pas devoir repiquer pendant 2-3 soirées parce que tu vois le journal ou le carton. Nous, c'est les Sarrasins. D'où notre nom, c'est Sarrasins, ça vient du nom des maraîchers. C'est les gens de la ville de Saint-Omer. Ils appelaient les habitants des faubourgs des Sarrasins. Pourquoi des Sarrasins? Parce qu'on est, ils étaient les gens à l'époque, ils étaient bronzés, tannés par le soleil et le vent. Donc les gens de la ville, eux, qui étaient, ils étaient beaucoup plus blancs que nous, avaient appelé les gens des marais des Sarrasins. Et donc là, on a créé. Il y a quelques années, on avait fait un char champêtre. On avait trouvé une idée comme ça d'un bonhomme en peau. Et puis, on l'a trouvé bien. Donc on le relouque tous les ans. C'est devenu un petit peu notre mascotte. Donc à lui faire les yeux tout de suite, rien que sa bouche, regardez. On dirait qu'on va parler. Puis là on va lui faire une jugulaire, on va mettre du jaune. Hop, voilà. En dessous, voilà comme ça. On va aller chercher du papier jaune, on va lui faire... Et puis il va être bello comme tout avec des galons, on va lui faire des galons en carton. Ça parle beaucoup aux maraîchers parce que les premiers choux-fleurs, ils étaient issus de semis et de repiquage dans des pots en terre. Donc ça, les pots en terre, ça a aussi une signification. Tout le monde a... Tous les enfants de maraîchers, enfants, ont ramassé pendant les vacances, les pots dans des pelles de 17. Hein, tout le monde, il se rappelle des pelles de 17 pour pouvoir les ranger dans les caisses à choux. Mettre dans ce cajot, c'est... En fait, on les fleurit pas les tuiles. Parce que ça rend moins bien que si on fait ce que je fais. Parce qu'on a déjà fait une autre année sur une autre structure et ça rendait pas bien. Donc autant faire ça. Si j'arrive. Et en fait, on peut pas mettre la colle directement sur ce côté-là parce que ça se fait des traces, ça fait trop pas beau en fait. On voit qu'on a collé et c'est pourquoi on colle derrière. Comme ça, derrière, on voit pas à l'intérieur. Bon, tu peux le mettre à la poubelle direct. Ils sont toutes démontées. Ouais. Bon, attention toi. 1, 2, 3.
Prends plus haut, plus haut. Voilà. Aïe! T'as qu'à tracer ici? Non, on va faire à mi-bois. On va vraiment faire un collage bien à moitié. Claque-le dans un sens. Serre-le dans un sens, je vais taper de l'autre. Là, il est bien plaqué. Là, il est bon. Là, il est bon. Voilà, là, il est placé. Il est placé. De toute façon, il est mieux placé avant. Et il est ultra serré. Là, bah il la coupe, elle est bonne. Et s'il y a une bavette comme ça, c'est fait exprès, c'est moi qui avais diminué. Ouais, justement. Alors, et après, comment on le. Qu'est-ce que t'en penses de notre hélice? Ah, il est bêta, hein. Non, tu vois. Ça ressemble quoi? T'as vu, pas assez de 3 quarts d'heure, hein. Ça te plaît? Et ouais. Et après, bon, il faut faire une fixation, mais. Tu le travailles, non? On le travaille, ouais. Et là, on a. On s'amuse autant à le faire qu'à participer le jour du cortège, parce que le cortège, c'est un aboutissement, mais c'est pas ça le principal, c'est pas le jour J qui est le plus intéressant, c'est surtout la préparation. Après, préparation des bateaux le samedi, l'ambiance, ouais, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que les chars se suivaient à la file, ils étaient les bateaux, ils n'avaient pas de moteur indépendant. Donc les bateaux étaient tirés par un remorqueur qui tirait tout le cortège, comme disons. Les bateaux, ils étaient attachés les uns aux autres avec une distance de 20 mètres ou un peu plus, enfin je sais pas, et tout le cortège avançait d'une même façon et avec la même distance. Maintenant, on a des moteurs indépendants, bon, on essaye toujours de garder une certaine distance. Ici, on est sur une ancienne exploitation maraîchère avec des granges. Bon, ici, c'est un bâtiment, c'est un hangar. Mais les chars étaient confectionnés dans les granges, quoi. Et ici, autour de nous, il y avait Bastom, le voisin. Il y avait dans sa grange, il y avait quelque chose. À côté, le voisin, dans sa grange, il y avait quelque chose. C'était ici. Les chars, ils étaient tous concentrés plus ou moins ici, quoi. Parce que forcément, les gens n'avaient pas de tracteur ou moins de moyens de locomotion. Donc il fallait à tout prix que les chars soient près du canal et près du départ. Quoi. Enfin, en fait, vous faites la salle ancienne, quoi. Ouais, mais avant, avec une escute ou un bacor en bois, ça est. C'était plus pratique parce que c'était moins dur à véhiculer parce que lui il est lourd le bateau. Vas-y, pousse un bon coup Valentin, pousse sur le mur là. Tu vois, tout ça c'est une ancienne maison de maraîcher, typique. La grange sur le côté, la maison, la petite cuisine sur le côté. Non, c'est plein. Non. C'est plein. Non, il faut que les gens ils puissent passer avec leur bateau.
Moi, c'est bon. Ouais, j'ai tête la tête. Hein. Voilà, j'ai décroché la tête, c'est Les petits pots parce que moi j'ai pas de sinon je tape les chevilles dans les palais. Ça passe en tout. Ouais, ça passe. Attends, on va changer.